courses à Jiffy. Donc je vais vous montrer ça, j'ai acheté une petite dessert pour ma cuisine. Parce que vous savez, j'avais le bon, parce qu'à Noël ils avaient fait une offre où il y avait moins 50% en bon d'achat, et le bon d'achat était à utiliser cette semaine. Donc voilà, j'ai acheté une petite dessert, comme ça moi ça va bien me servir, parce que vraiment je manque de rangement comme vous le savez. Et bah on va monter ça ensemble, voilà, ça va être plutôt sympathique. Alors comme je vous disais, j'ai acheté une dessert à Jiffy, je l'ai payée, du coup bah moi je l'ai payée 10 €, mais elle coûtait 30 € quand même. Donc c'est une dessert noire, elle a l'air assez grande. Elle fait quelle taille? Elle fait 24,5 × 28 et elle fait 78,5 de hauteur, donc elle est pas non plus méga haute. Mais après elle était plutôt sympa et je me suis dit ce serait pas mal pour ranger mes fruits et mes légumes, parce que je sais pas trop où les ranger. Donc voilà, j'ai galéré un peu, je vais peut-être prendre un couteau. Et après bah, je pourrais ranger d'autres choses dessus. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un rangement supplémentaire. Et je me suis dit bah voilà, autant utiliser, j'avais 20 € en mon achat, autant les utiliser pour un truc utile. Voilà, vraiment c'est bien tombé. J'espère que c'est pas trop galère à monter, parce que alors moi comme vous le savez, voilà, je suis pas non plus une experte quoi. Je pense que c'est toujours la même chose, les petites vis avec, vous savez, les espèces de... Le tournevis qu'ils ont, d'ailleurs j'en ai deux ici, ça me fait trop rire, genre les trucs comme ça là. Toujours c'est ça, bon au moins c'est facile, hein, c'est ça qui est bien. Et surtout il n'y a pas besoin de matériel, parce que alors je crois que mon père m'a laissé des trucs, mais de moi-même clairement j'ai rien, hein, qu'on se le dise. Du coup je vais monter tout ça et puis bah écoutez, je vous montre juste après le résultat final. Et du coup voilà le résultat final, je suis plutôt contente, franchement ça va être super pratique. Et il est vraiment pas compliqué à monter, même si c'est un peu chiant. Et ça tient bien, enfin je sais pas comment expliquer, mais on sent que c'est quand même de la bonne qualité. Donc après avoir dans la durée, mais j'en suis vraiment... J'ai reçu ce pouf, je suis trop contente. Donc je vous explique, c'est un pouf en fait qui fait lit d'appoint. Donc voilà, je voulais absolument un lit d'appoint parce que ça m'agaçait de pas avoir pris de canapé convertible. Et vraiment il est trop beau, il vient de chez Menzo, tout comme mes chaises vertes là-bas, vraiment ce site. Mais je l'aime trop, laissez tomber, je l'adore. Et en fait voilà, il fait lit et à la fois ça me fait un pouf. Et je pense à faire comme un canapé d'angle en fait quand j'aurai mon canapé. D'ailleurs je suis dégoûtée, je vais recevoir mon canapé avant-hier, sauf qu'avec la neige je n'ai pas pu le recevoir. Normalement je le reçois demain si tout va bien. J'ai trop hâte, j'ai pris un beau canapé beige de chez Ikea, ça va être trop beau avec mes petits fauteuils roses, enfin mon pouf rose et mon fauteuil rose, ça va être trop canon. En plus ce sera de la même couleur que l'arbre à chat de Bully. Oui vraiment c'était le détail. On va déjà, on a un petit lapin qui se promène et du coup voilà pour la vue d'ensemble. Bon, c'est pas rangé au carré hein. Franchement j'essaie de ranger tant bien que mal, mais déjà avec les petits jouets, on va dire ça comme ça, de Bully qui traîne, voilà. Ici en fait je mets des cartons avec du foin à l'intérieur. Si vous avez un lapin, c'est quelque chose que je vous conseille. Certes ça fait un peu bordel dans l'appart, mais franchement il préfère largement manger son foin dans son carton que d'aller manger mes meubles par exemple. Et franchement ça n'a pas de prix, voilà. Vous connaissez, ici il y a ma télé, donc avec mon meuble télé, comme je vous disais, ce meuble télé il va bouger en fait, il va aller dans mon entrée. Mes parents viennent d'arriver, c'est pour ça que ça a coupé. Donc je disais en fait je vais percer entre guillemets, enfin je vais faire un trou derrière le meuble et je vais mettre ma live box à l'intérieur, comme ça au moins elle sera protégée. Et je vais le coller au mur, donc dans mon entrée, et je vais m'en acheter un nouveau. Ici voilà il y a un sac avec des trucs pour Bully à l'intérieur, et ici j'essaie de protéger tant que bien mal. Je vous rassure, je vais accrocher cette multiprise au mur, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas bon de la mettre sur le chauffage. Et ici c'est un cale-porte en fait, c'est un cale-porte lapin, parce que voilà je le trouvais trop mignon, vous me connaissez. Et ça permet en fait de stabiliser le petit morceau de bois qui protège les fils. Ici on a Bully qui fait des bêtises comme d'hab. Ensuite il y a ma petite table basse avec pareil des petits jouets à Bully un peu partout, parce qu'il adore aller en dessous, donc j'évite de mettre trop de choses en dessous parce que alors, sinon c'est mort. Ici il y a une petite déco, mais ça va bouger, franchement je l'ai mis là parce que voilà j'ai pas tous mes éléments de déco. Mais j'aime bien m'acheter un vase pour mettre les roses, et il y a ma serviette de table aussi, voilà, que je laisse là, comme ça au moins c'est bien pratique. Ici un arbre à chat pour Bully, franchement si vous avez des lapins je vous les conseille, ils sont vraiment top. Il adore aller dessus, comme ça il peut regarder dehors. En plus il aime bien être en hauteur et puis il aime bien aussi aller se cacher en dessous, donc vraiment j'adore cet arbre à chat. Je l'ai payé genre 25 € sur Zoho Plus, quelque chose comme ça. Ici il y a mon magnifique fauteuil cocktail scandinave, vraiment que j'adore. Je suis vraiment en train de faire un appartement tour, mais je suis en train de me dire je vais peut-être pas tout vous détailler sinon ça va être beaucoup trop long. Donc voilà je vais peut-être arrêter parce que sinon le vlog va encore durer 15 000 ans et je vous ferai un appartement tour plus tard. Mais en gros ici il y a ma table avec mes chaises, vraiment que j'adore. J'aime tellement ce coin, enfin ça va vraiment être trop beau. Et j'ai trop hâte d'avoir mon canapé surtout parce qu'en plus ça va faire une vraie séparation en fait entre mon salon et ma salle à manger. On a encore un petit Bully par ici. Ici donc il y a l'enclos de Bully. Et ici il y a mon petit coin
coiffeuse. Donc voilà, c'est la coiffeuse que j'avais chez mes parents, donc je pense que vous la connaissez. Et ce que j'aimerais faire en fait, c'est mettre ce miroir juste à côté de la coiffeuse, en fait le décaler. Mais comme il y avait déjà en fait de quoi faire un petit trou au mur ici, mon père l'a mis là pour l'instant, parce qu'en fait ici il y a un trou aussi, mais il est trop près de la porte, donc faudra en refaire un ici. Et pour l'instant voilà, j'ai préféré le mettre là, mais j'aimerais bien le mettre ici pour me faire vraiment un coin, voilà, miroir, coiffeuse, etc. Et puis en plus dans le fond en fait du miroir, ce sera plus joli, parce que là le problème c'est qu'on voit l'enclos de Bully et je trouve c'est moins joli. Voilà, c'est assez psychologique, mais j'aimerais bien le mettre ici pour l'instant. Et puis comme ça ici je me ferai vraiment un beau coin avec un beau meuble télé en long et tout. Enfin voilà, c'est vrai que pour l'instant c'est assez provisoire. Et ici on arrive donc à mon entrée, comme je vous disais, donc ici à ma salle de bain. Voilà, c'est vraiment très très simple hein. Et du coup comme je vous disais, j'aimerais mettre mon meuble télé pour l'instant ici, comme ça je mettrai ma live box à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup trop de fils. Voilà, j'ai essayé de protéger comme je pouvais, mais clairement c'est pas suffisant, faut toujours être derrière lui. Et puis comme ça je mettrai cette petite déco là sur le meuble télé. Et ici donc il y a ma cuisine que j'adore, en flag qui essaye de manger ses friandises qui sont ici. Évidemment, bon, j'ai encore de la vaisselle et tout de ce matin, c'est pas parfait, voilà, la réalité est là, il est là, je suis trop contente, j'ai enfin reçu mon canapé, donc voilà, là, on l'a reçu en plusieurs parties, j'ai libéré la place et je vais le mettre du coup juste ici. Voilà l'avancée, vraiment c'est un chantier, merci Ikea, c'est vrai qu'il faut tout monter soi-même, vraiment trop galère, c'est vraiment le problème, mais bon, trop hâte. Par contre j'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont mis des fermetures orange. Faut qu'on m'explique, bon après vous me direz on les verra pas, mais bon c'est vrai que, enfin je trouve c'est vraiment pas beau. Mais bon c'est comme ça. Première petite vue d'ensemble du coup, donc j'ai enfin mon canapé, je suis trop contente. C'est un Ikea et je voulais absolument un canapé beige. Donc voilà, vraiment je suis trop contente. Je sais pas trop si je vais le laisser comme ça, franchement j'hésite à le mettre dans l'autre sens, je vais voir. Mais pour l'instant c'est comme ça et je pense que ce soir pour regarder The Voice ça va vraiment être trop cool. Donc du coup j'ai mis mon petit pouf ici, c'est trop bien, ça me fait comme un canapé d'angle en fait. Donc vraiment pour me poser le soir c'est trop confortable. Donc j'ai toujours la même table hein, évidemment une Ikea. Et j'ai un nouveau meuble télé, je suis trop contente. Par contre il y a tous mes DVD qui traînent, parce qu'en gros mon père a pas fini en fait de vraiment monter le meuble à 100%. Il manquait un petit truc pour que le petit rangement d'en bas soit accessible. Donc voilà, ce sera prochainement rangé, mais en tout cas ça donne ça et forcément ça fait un effet beaucoup plus salon quoi. Donc je suis trop contente. Et ici ça a changé également, je pense que vous le remarquez. Alors déjà j'ai réussi à accrocher un cadre, je suis trop contente. C'est vrai que ça habille le mur tout de suite. Et j'ai mis mon fauteuil juste ici. Et ici en fait c'est un petit panier de chez But et dedans je range mes plaids, comme ça au moins ils sont pas en vrac etc. Bon là je vais clairement les prendre pour me mettre dans mon canapé, mais en journée ça fait beaucoup plus propre. Dans mon entrée en fait j'ai mis donc mon ancien meuble télé entre guillemets, ou même si c'était provisoire déjà de base, je l'ai mis là et comme ça en fait j'ai enlevé le fond, ce qui fait que tous les fils qui sont ici sont cachés et ça c'est vraiment génial. Au moins je suis sûre que Bully va pas aller les manger. Et la déco voilà, je trouvais ça sympa, c'est provisoire aussi, c'est vrai que pour l'instant voilà je pose un petit peu au fur et à mesure, mais bon. Voilà pour les petits changements du jour. C'est un peu quand même l'avancée de ma chambre. Bon, même si en vrai, là en vrai on dirait pas, on se dit bon ça va, c'est à peu près rangé. Mais c'est vrai qu'on arrive de l'autre côté, là j'assume pas trop quoi. C'est vrai que c'est le bordel complet, il y a un peu tout qui est posé en vrac. Parce qu'en fait j'ai pas encore mes meubles définitifs et tout. Enfin vraiment je galère un petit peu, faut être honnête. Donc voilà, ça on va pas trop calculer, mais du coup j'ai mis ma coiffeuse juste ici, donc je suis trop contente parce qu'elle passe nickel et puis elle est beaucoup mieux dans ma chambre et puis au moins ça habille ma chambre, enfin vraiment je préfère à 1000% ici. Ma housse de couette, il me la redoute, vous avez été beaucoup à me demander et elle est trop canon, je l'avais en solde en plus, donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour. Ma table de nuit c'est une Ikea, je l'aime trop et elle est trop pratique, au moins je peux mettre plein de trucs dans les tiroirs et tout. Ici voilà il y a là où je pose mon ordi etc. Et puis bah il y a mon bureau, donc ça trop cool vraiment pour travailler tranquille, vraiment il est vraiment super. J'ai vu sur Amazon il y a 2 ans quelque chose comme ça. Je vous retrouve dans ma chambre. Alors aujourd'hui on est jeudi 17 février, je suis en congé aujourd'hui et j'ai décidé de m'attaquer à ma chambre parce que clairement autant ma pièce de vie je passe mon temps à la ranger au moindre petit détail, vraiment je veux qu'elle soit parfaite, enfin vraiment j'abuse de ouf. Mais clairement ma chambre c'est un bordel total depuis 15 jours, je fous tout en vrac et mis à part mon lit etc. et mon bureau et ma coiffeuse, bon
En soi, il y a quand même quelques trucs de rangés. Mais vous allez voir derrière moi, enfin je vous ai déjà montré d'ailleurs, donc vous allez reconnaître, ça n'a pas bougé d'ailleurs depuis la fois où je vous ai filmé ce plan. C'est le bordel total. Déjà parce qu'en fait il me manque un meuble. J'aimerais bien m'acheter une grande colonne, un peu une bibliothèque, enfin, je sais pas comment expliquer, de chez Ikea. Je vous mettrai une photo de toute façon, comme ça vraiment vous allez mieux visualiser. Sauf qu'en ce moment, comme vous le savez, Ikea est fermé. Du coup ça me saoule parce que vraiment j'ai vu plein de trucs à Ikea, j'ai vu un buffet aussi, enfin bref j'ai vu plein de trucs, sauf que les frais de port c'est super cher. Déjà pour mon canapé j'ai payé 60€ de plus, et c'est vrai que c'est frustrant parce que bah déjà ça coûte cher d'emménager, enfin voilà on est clairement en train d'acheter 15 000 trucs et à chaque fois c'est des sommes qui sont quand même assez conséquentes et tout, donc du coup franchement ça me saoule de payer des frais de livraison. Surtout qu'à chaque fois c'est multiplié et tout, enfin bref du coup voilà, en plus de ça je dis ça mais en soi mon buffet il est en rupture de stock, donc en soi à part si je vais à Marseille le chercher, et encore je dis ça, ça se trouve il est même pas dispo à Marseille, voilà c'est compliqué du coup, enfin bref, tout ça pour dire que je galère un petit peu avec les meubles en ce moment, et du coup voilà, dans ma chambre je fais un peu avec ce que j'aime et c'est provisoire et je pense que ça joue aussi en fait, comme je sais que les meubles c'est pas vraiment ce que je veux, genre ça me donne même pas envie de ranger. Pareil j'ai acheté un aspirateur et avec le couvre-feu etc c'est trop galère, du coup mon père m'a déjà construit plein de trucs dans ma pièce de vie, il fallait monter mon meuble télé, mon canapé et tout, et c'est vrai que du coup on n'a pas eu le temps encore de le fixer au mur et moi je peux pas le faire toute seule hein, parce que voilà je suis pas très douée en bricolage, donc bref du coup c'est un peu la galère, donc il y a un peu tout en bazar, mais ce que je vais faire c'est que je vais quand même essayer de ranger au maximum pour y voir un petit peu plus clair. Je vais aussi ranger tous mes vêtements dans mon armoire, enfin, vous savez j'ai un petit coin de dressing juste à côté de ma chambre, donc voilà je vais essayer vraiment de tout ranger pour y voir un petit peu plus clair et quand même un peu mieux m'y retrouver. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je vais commencer par ranger ma coiffeuse parce que bon, même si c'était à peu près rangé, là c'est déjà le bazar parce que je me suis maquillée aujourd'hui, je vais aussi passer un petit coup de nettoyage histoire qu'elle soit bien nickel. Faut aussi que je range tout ce que j'ai là. C'est vrai que j'ai ramené dans une trousse de toilette, ça faut que j'aille mettre ça dans ma salle de bain. Et vraiment, je sais pas vous, mais moi quand je fais du rangement, j'adore me mettre une vidéo YouTube. Et là du coup, je me suis remise la vidéo YouTube de Milena, vraiment. Milena, allez la suivre, je l'aime trop cette fille. Et j'aime trop faire de sa vidéo rangement make-up, genre je sais pas, avoir une fille ranger du make-up ça me motive à ranger mon make-up, parce que moi si vous me connaissez vous savez à quel point je suis pas quelqu'un d'hyper maniaque, tu vois, genre je suis plutôt de la team bordélique, donc j'ai vraiment besoin de motivation. Comme quoi vraiment il faut pas grand chose, hein. Voilà le résultat final. Si vous vous demandez, mon rangement make-up c'est un Ikea, mais je vous ai déjà fait une vidéo sur mon rangement make-up, je vous la mettrai dans la barre d'infos parce que c'est exactement le même que j'avais chez mes parents, voilà je l'aime beaucoup donc forcément j'ai tout gardé et j'avais acheté assez de choses à acheter comme ça, donc voilà vraiment je l'aime trop et au moins voilà là c'est nickel, c'est tout propre, ça fait du bien, ça fait déjà au moins une partie de la chambre qui est clean, voilà de ce côté là franchement c'est presque parfait. Mais voilà où est le problème en fait. Là j'ai honte, là j'ai honte, mais je m'en fiche parce que je me dis, voilà, je montre ça, c'est pour montrer après le résultat terminé et rangé. Donc voilà, au moins ça me fait une excuse pour ranger. Le but ça va être aussi de ranger toute cette partie là, là j'ai pas mal de bazar et tout, des trucs de ménage, de bricolage et je vais tout mettre en fait dans mon placard qui est là où il y a mes vêtements. Parce qu'en plus j'ai de la place, enfin, c'est du bordel, je vais tout mettre justement dans mes caisses transparentes que je rangerai ensuite en dessous parce que du coup là elle est vide donc c'est bête, c'est une perte de place. Donc voilà, je vais aussi essayer de virer en fait le carton de mon aspirateur même s'il n'est pas encore fixé au mur, voilà je vais essayer de trouver un moyen de le caler quelque part. Ou à la limite de le caler justement juste ici pour éviter qu'il soit dans ma chambre parce que du coup déjà c'est trop compliqué, enfin il prend trop de place et c'est pas pratique, comme il est pas fixé au mur je dois le poser par terre ou trouver un moyen, enfin bref c'est la galère. Donc voilà je vais faire au mieux et puis bah écoutez je vous montre le résultat juste après.
vous l'avez vu, j'ai terminé ma chambre. Je suis vraiment trop contente. Ça change tout, quoi. Comme je vous dis, c'est vraiment provisoire. Mais bon, pour l'instant, au moins, ça fait ranger. Parce que comme vous avez pu le voir juste avant, c'était juste pas possible. Enfin, franchement, c'est pas agréable. Et puis voilà, là, vraiment, j'en vois le bout de mon aménagement. Et c'est trop bien. Enfin, là, je peux vraiment vivre pleinement. Et voilà, là, au moins, tous les espaces sont rangés. Même si c'est pas non plus parfait à 100%. C'est vraiment habitable et agréable parce que c'est quand même le plus important. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vraiment mon appart il est super lumineux, c'est tellement agréable, il est exposé sud-ouest et vraiment, je me rendais pas compte, hein, mais c'est le bonheur. Genre là il y a du soleil, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais si, enfin je pense que vous le voyez, ma chambre est méga lumineuse et c'est pareil pour ma pièce de vie et franchement c'est un bonheur. Tu manges pas mon miroir, Bully, merci. Du coup je voulais vous dire, je suis trop contente, j'ai tourné mon haul déco, vraiment depuis le temps que je voulais tourner ma première vidéo. J'ai pas confiance là. Bully, le miroir n'est pas accroché, s'il te plaît. Putain, non mais... Avoir un lapin, voilà. C'est... Non, après c'est du bonheur, hein, mais c'est juste, faut le surveiller tout le temps, quoi. Donc bref, je disais, j'ai enfin tourné ma première vidéo dans mon appart, donc je suis trop contente. Donc je pense que vous verrez cette vidéo, je sais pas, mercredi ou dimanche, je sais pas trop quand est-ce que je vais la sortir. Mais ouais, trop trop contente. Je vous montre quelques petits détails histoire de finir le vlog en beauté. Alors j'ai mis un peu de déco là sous mon meuble télé. Je vais vous faire un haul déco prochainement. Sinon comme vous pouvez le voir, j'ai redécalé mon miroir ici parce qu'en fait ça allait pas du tout, ça faisait un contre-jour en fait, c'était ça le souci, donc du coup je l'ai remis ici et finalement ici en fait c'est là que je vais tourner donc mes vidéos, je vais mettre mon petit fauteuil rose du coup à côté de ma petite table et je vais essayer de me faire une ambiance sympa, mais ça je vais le faire plus tard. Et ça c'est le couvercle du panier doré là où je mets mes plaids à côté de mon canapé, d'ailleurs c'est un peu le bazar, hein. J'étais posée sur mon canapé tranquille. Mais voilà, c'est vrai que j'aime pas trop, je pense que je vais l'enlever parce que de toute façon je préfère sans. Et puis le noir en plus ça prend trop la poussière, enfin, c'est trop chiant. Mais voilà en tout cas pour les dernières finitions. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vraiment c'est vrai que c'est là où je vous partage un petit peu tout en direct. Parce que je sais pas s'il y aura un quatrième vlog déménagement. Étant donné que là c'est presque fini, il va peut-être y avoir des petits détails. Au pire je vous ferai un vlog dans quelques semaines pour vous montrer voilà les dernières choses, mais je pense qu'il n'y aura pas de vlog vraiment comme je vous ai fait ces trois dernières semaines. Donc vraiment venez sur Instagram, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude, et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt.